J'ai dit, c'est Gilles. Je t'ai fait un cadeau, tu veux que je te le ramène? Moi, j'ai oublié. Et toi, tu m'as dit qu'il allait dormir ici? Viens, je te parle. C'est ta famille, lui? C'est ta famille? Tu ma gueule. Toi, t'es la famille de lui, moi, je sais pas que... Toi... Ah, il sort. Il sort, qu'est-ce qu'il fait là? Mais il n'a même pas autant de mosquée. Il va dormir ici. Regarde, allez, j'y t'en ai. Et toi, tu m'as dit qu'il allait dormir ici? Viens que je te parle. Allez, j'y t'en ai. Ah, c'est pas contre toi. Mais j'y t'en ai. Tu fais 1m10, t'es bien d'accord avec moi? Comment, ton sombre petit insecte, tu veux héberger un homme qui fait quasi 2 mètres et il a 37 ans? Déjà, c'est ton ami, en plus maintenant, tu veux me l'héberger à la maison? Mansert, tu le sais, parce qu'il est grand, il a pas envie de dormir, voilà. Et alors? Moi, je veux faire comme toi, Mansert, tu le sais très bien. Tu veux faire comme moi? Ouais. Toi, tu veux faire comme moi? Ouais. Et héberger des gens comme ça? Mais moi, j'héberge des jeunes, j'héberge pas des... Eh, tu vas arrêter de traîner avec lui, tu vas arrêter de parler avec lui. Il reste une nuit. Une nuit, demain il dégage. Et deux jours il dégage. Une nuit. Une nuit ou sinon c'est rien. Moi je sais bien. Roya, tu dors ici une nuit. Tu le goûtes à l'île à Wahda. Il n'y a pas d'aïch. Non, pas la vie. Pas la vie en tchèque. Mon frère, le petit, il a 17 ans. Il a, c'est un gamin. Il sait pas qu'est-ce qu'il dit. C'est un petit. C'est ta famille, lui? C'est ta famille? Tu te ma gueule? Toi, t'es la famille de lui, moi je sais pas que toi, t'es la famille de lui. Tu te fous de ma gueule? Oui? Il piche que dalle quand on lui parle en français. Bref, une nuit. Franchement, tu me trouves, tu fais jamais d'efforts. Aujourd'hui, c'est Saint-Valentin, tu fais rien. Mais arrête, t'es tout le temps avec tes collègues. Et tu n'es jamais avec moi, on est d'accord. Mais tu crois qu'aujourd'hui, j'ai oublié que c'était la Saint-Valentin? Et arrête de snapper parce que. Mais je snap pas. Mais pour montrer aux gens. Je suis en train de pitié d'être. Je sais pas où en fait. Mais tu vas aller où? Je sais pas, ça va. Je te dis que c'est. C'est pas moi décidé. J'ai décidé. Tu sais, non, j'ai. Non, mais t'es un menteur. Je t'ai fait un cadeau, tu veux que je te le ramène? Personnellement, t'avais oublié. Moi, j'ai oublié. T'avais oublié. Oui, t'avais oublié. Je jure que j'ai oublié. Oui, t'avais oublié. Je te jure que t'avais oublié. Bon, ok, si je te ramène ton cadeau, laisse-moi une heure. Ben, s'il faut une heure. Parce que c'est un truc. Rien. Comment ça, c'est qu'il y a rien? Bah, bien sûr. C'est que c'est un gros truc. J'ai l'impression de rêver, l'acheter. Sophia, c'est une fille que je connais depuis l'époque. Je rentre chez moi, je vois qu'elle est assise avec toi, Esteban. Comment vous vous connaissez les deux? Ouais, elle est fascinée, du coup, je lui montre les jeux et tout. T'es fasciné, toi, par les jeux? Bah oui. Tu kiffes? Oui. Et comment vous êtes connus? Comment vous vous êtes parlé? Expliquez-moi. On s'est vu à Saint-Jean. Je sais pas. Et après, on a parlé. Eh, voilà, c'est incroyable. Mais toi aussi, hein. T'es un sacré style, Sophia. Voilà que tes chaussettes au-dessus du jean. C'est pourquoi? C'est un legging. Ah, c'est un legging. Regardez comment elle est mignonne, machin, là. Voilà, Sophia, c'est la meilleure. Très, très gentille, Meskina.